Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la CAI. Je dis à nous de vous porter quelques éclaircissements supplémentaires sur causer travel document et monde qui sont TPS qui voulait voyager. OK? Et nous allons parler d'apporter quelques précisions. Premièrement, faut nous dire aux femmes. Travel document ça, il y a plusieurs groupes de monde qui remplissent. Parce que moi toujours pensé que c'est TPS, nous t'ai dit ça déjà, n'a pas rappelé ça. Il y a un permanent résident qui a fait. Et permanent résident fait, c'est lorsque il a besoin voyager pour le faire en pile temps. Il vient faire 2 ans, 3 ans d'ailleurs, ok? So, laisse ça en 20 parties. Justement, li mandé et li rempli comme ça. Ou après, gon section la donne tout, ça important. Et pour retirer toute confusion, il y a plusieurs sections et des fois, moun yo confond yo. Bon, mais c'est montrer nous, même lorsque nous prenons préparé, ou après là, complete partie 5 ans, if applying for re-entry. Ou compléter ça, c'est pour permanent résident cap fait pour re-entrer, donc ça vide. Ok, so vous remarquez, on essaie d'expliquer, mais forme non, les ça tout le monde a rempli, le nom, prénom, mais dans les là, vous remarquez plusieurs, gain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, by 6 groupes monde. Premièrement, vous remarquez, vous avez dit que c'est un permanent résident, ou bien c'est un conditionnel résident. Ok, nous avons un contexte permanent, chaque fois qu'on va déplacer, ou voulez le faire plus que 1 an. Bon, normalement, de manière légale, si vous voulez faire, ou pas faire plus que 6 mois, on compte ça le permanent résident. Si vous voulez sortir, vous voulez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, avant d'aller au rempli pour vous boire ça, pour être capable de faire tout le temps ça. Parce que l'illégal comme permanent résident, vous faites tout le temps ça. Deuxième monde, c'est monde qui gagne refugee ou bien asile status, ou même qui sous refugee ou même qui sous asile. Mais il y a une précision, j'aime là. Il y a des gens qui gagnent un asile pending. Ça, il y a aussi des gens flous. Ou pas nécessairement un statut asile là, non. Peut-être n'a fait plus de choses sur ça. Mais il est clair que si moi j'ai un asile pending, je ne peux pas nécessairement dire que je suis asilé. Si je demande un statut, c'est asilé, il y a supposé des gens qui confirment ou sont applicants. Mais dans la grande question, est-ce qu'ils ont appliqué? C'est plus fort non, non c'est appliquant. Nous pourquoi approuve. La grande question, est-ce qu'il y a un monde qui c'est un appliquant qui a supposé qu'il a voyagé? Lui, nous vraiment, nous pas quoi. Il faut nous faire plus de recherches puisque dans le cas et statut monde, pour moi-même, il n'est pas supposé un asile. Parce qu'il n'est pas approuve. Ok? Je dis ça sous toute réserve. Mais tout le monde qui asile ou approuve, ou tu connais que avant de voyager, il faut appliquer pour autorisation de travail. Permanent résident, ou on causait, ou on met des permanents résidents 2 fois. Parce que, il y a des gens, et c'est ça que tu as dit, il y a des gens qui sont permanents résidents, c'est parce que ont été fin sous asile, ils ont vint permanent résident. Alors, les gens ne savent pas qu'à voyager. Et en plus, les gens savent, le fait qu'ils disent, ah, qu'on est là, je ne suis pas sous asile encore. Monsieur permanent résident, vous pensez au cas voyager, j'ai voulu. Non, nope. Faut ou gagner un travel document de ce genre. Ok? Et ça qui est pour TPS, c'est ça, c'est un DA lui-même. Lui-même lui dit, bon, regardez si nous avons écran bien, on va faire le plus gros pour nous. C'est ça qui est pour TPS, là, c'est ça qui dit, moi, je vais appliquer pour Advance Parole Document, qui pour permettre moi de retourner aux États-Unis. 1, 2, ok? C'est lui-même que TPS a sélectionné. Mais tout, TPS a sélectionné ça et tout, c'est des cas particuliers. Et il y a des gens qui ne sont pas au courant de lui. Effectivement, il n'y a pas conseillé au fait, mais il est possible pour faire. Si par accident, ou son TPS, ou voyager, ou à l'Haïti, sans lui-même, mais pendant des heures, ou capable de dire, I am outside the United States, I am applying for advance parole document. Ok?
Vous comprenez? So, pendant que vous êtes capable de faire application. Mais là, vous êtes capable de faire Haïti dans l'ambassade là. Donc, ou encore, vous êtes capable de dire capable dit I'm applying for advance parliament for person who is outside the United States. So, vous êtes capable qui dit la public est le sou pour vous pendant que ou on a dit au monde bien dit oui pas conseiller personne monde fait là mais on bagage qui est arrivé que monde il gon dernier emergency dit il pas capable fort aller j'en passe le passé monde aller donc à ce moment de la durée au capable même je lui veya il t'a conseillé même je lui veya il relé monde pas bon ici aux États-Unis il dit s'il vous plaît et fait travel document là pour moi bien rapide nous bien dit c'est un cas extrême qui vous t'a fait un monde prend option ça parce que il y a un risque là dedans mais il y a écrit il y a un processus là il permet de faire ça OK guys OK so là nous t'a parlé différentes catégories monde qui dans travel causé travel document là et maintenant, des points importants pour souligner, c'est causer l'argent. Combien coûte le travel là? À la vérité, c'est $575. OK? Maintenant, quand il y a une confusion, est-ce que pour bail code biométrique $85? Quand il y a une confusion, ça. Mais gens, moi, mal comprendre. Non, on soit fait tout ensemble. On a dit, m'gen ti piyes ma kat travay, on sel barométrique tout à l'arrêt. De barométrique tout bay. Mais barométrique ça m'plus kwe la le pou ti piyes la. Mais soit fait travel la pou kont li, normalement on pa ta supposé gen barométrique. Ok? Normalement. Mais depuis souvent m'kon di moun yo pa mesure de précaution, voye $85, mais séparé, divisé dans deux, ou fait $75, 575, et pour séparer, vous faites 2 moneurs de 85. Ça veut dire si vous ne pas prendre l'avant, vous avez juste $85 et puis la paix. Mais d'après ça, vous regardez dans la forme, non? Je suis presque sûr que c'est pour éviter, oui, si vous officier pas contre bah, là, bien. Mais je vais faire une forme. Ça vous dit pour prier. Moi-même, d'après ça, je regarde là, je suis presque sûr que c'est 75 ans, on lié. Regardez pour vous. Vous dites, applying for advanced parole document, type D, type EF. Dans type D, vous avez pending I-485. Ou gen pending I-821. Ou yon mette $575 simplement. Yon pa mette biométrique pou li. OK. So ça c'est là en fait nous par suite de ça logiquement ça li ta supposé $575. OK. But tout konnen moun ki manke expérience gen doit peut-être di faut garder 5 ans moi ou les femmes konn dit bon et vous voyez 85 ans mais c'est pareil il a pour tourner bas bon, sans problème on va comprendre pour résoudre mais à la vérité 575 vous le d'après ça qu'il a mais dans toute notre prière qu'on a dit prix c'est si prix c'est là ça est pour notre cas c'est des cas pour monde qui est réfugié travel document ou bien à monde qui sous asile yo même yo kon gagner suivant l'âge yo yo kon gagner pour un affaire de $105 ti moun ki en bas 13 ans et puis en bas 13 ans $105 seulement 14 à 15 ans $190 mais au pays barométrique vous comprenez 16 à 79 ans $220 16 à 79 ans mais nous bien dire ça c'est moun k'ap fè refugee travel document sou ta as à sa long et que ou besoin voyager c'est dans comme ça mais on même dit yes c'est râler $575 sans gratter tête OK et nous dit pas mesure de production on camé de 85 ans but normalement ou pas ta supposé bail 140 ou pas ta supposé bail 85 ans n'a pas les petits pièces OK on même qui peut pas dans résident son l'autre causé permanent résident c'est eux même il fait considération l'organe plus bas que 13 ans ou payer 55 puis plus que 14 ans, 19 ans, ou paye 75 plus barométrique, 660, ça y est permanent. Mais dans petit pièce, ça dit clair, c'est 575. OK? D'après ça, nous, ouais, là. OK? So, là, on devrait clarifier, causer et prier. D'accord? Et d'autres points,
justement, si vous avez gagné déjà, il est mieux attaché là en copie. Il y a pas le plus rapide. Copie ancien. Vous comprenez? Par expérience, moi, mon qui te gagne déjà depuis attaché en copie, ou qu'on fait dans 2 semaines, vous voyez le bas. Bien sérieux. Le fait qu'on gagne copie ancien, à parler de mon qui te gagne déjà. OK? OK, guys. Bon, maintenant, on nous parle d'un bagage qui, qu'on a fait discussion, causé à Saint-Domingue. Est-ce qu'on a besoin de visa pour Al Saint-Domingue? Des gens qui, moi, dans le forum, m'a dit qu'il faut qu'on ait un visa. Faut qu'on ait un visa. Moi, je vais aller sur le website officiel. Yo, ok? Je vais aller sur le website au niveau de l'immigration dans la République dominicaine. Mais ça, moi, elle dit, en anglais, mais ça, elle dit. Elle dit, puis il faut visiter cap privé Saint-Domingue, inclus les gens qui sont sortis aux États-Unis. N'entendez-vous? Canada, l'Angleterre, l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine. Je dis Pifo, Kazakhstan, Mexico, many South American country, les Colombie et autres, Central American, Japan, etc. Je dis, il n'y a pas besoin de visa pour entrer dans le pays. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis là. Ça, je dis. Je dis, c'est ça, je dis. Ok, mais on dit par contre, depuis son un citoyen étranger qui est entré en République dominicaine pour touriste, faut qu'il y ait un passeport valide pour y arrêter. Ok, donc ça on dit, faut qu'il y ait un passeport. Ok, il dit son mesure exceptionnelle, il prend jusqu'à 31 2022. Ok, donc t'as semblé qu'on ait mon passeport pas valide, il quitte yo. Mais on dit, c'est une exceptionnelle mesure qui valide jusqu'à 31 décembre 2022. OK? Et ça, on dit. Maintenant, bon, on a regardé, yon bagay, yon dit pi bas, sous cause visa. Mais ça, on dit. M'appli pour visa. On dit, la République dominicaine émet touriste, business, travail, student. Résidence visa. Ça y est, différentes catégories de visa qui yon gen. Yon dit, tourist visa, yon capable émettre li pour yon moun ou bien plusieurs entités. Ok? Yon dit, n'importe moun, quelle que soit nationalité, vous attendez, capable visiter République dominicaine si li se yon résident, a des côté ça la vive. Yon dit, légal résident, prendre comme ça veut dire. Parce que des fois, on confond, confuse. Vous avez dit, pour mon petit pied, sont légal résident. Il faut souligner ça pour moi. Ils sont permanent résident, ils sont légal résident. OK? Donc, là, vous parlez de légal résident, vous essayez, petit pied, ça sont légal résident. Même j'en tout, ils ont asile pending, ils sont légal résident. OK? Bien entendu, nous ne pas dire asile pending qu'à visiter, non? Qu'à voyager, non? Précision. Maintenant, il dit, mais après, il dit, n'importe monde, quelle que soit nationalité, est capable de visiter les États-Unis, si vous êtes un résident légal, ou encore si vous avez un non-valide visa sous passeport de pays. En clair, il dit, si vous êtes son résident, ou bien vous avez un visa dans le pays, donc les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, Schengen, yon moun sa yo pa bezwen gen yon passeport ou bien yon visa. Ok? Ok? Donc, yo di ke moun sa yo justement, et de moun na pale la yo, depi yo gen même visa. En clair, libre di visa. Sa yon di sou gen visa yo ese yon apantre ou pa bezwen visa Saint-Domingue. Ba yon ben valo pou di piyes, non? Ok? Donc, yo di moun ki pa gen passeport, ou bien visa de pays ça yo, ou bien d'autres pays autorisés, il faut que vous appliquiez pour visa. OK? Donc, ça, vous avez dit là, des poussons légal résident, ou bien vous gagnez, vous n'avez pas ça, vous n'avez visa ça. OK? Vous dites, ou, vous n'avez l'autre. So,
ou pas besoin et visa. OK? Donc, ou capable de visiter, il dit n'importe monde ou capable de visiter la République dominicaine sous son légal résident des États-Unis, Canada, les États-Unis, ils ont parlé de Schengen, tout. C'est ça qu'ils dit. Par contre, ça qui est important, et ils ont vu un bagage, pas oublier qu'il faut garder si vous avez des updates. Tant que je ne dis pas, il y a les étiquettes. Lorsque vous visitez, avant d'aller, ou remplir étiquette. Ou café l'online, c'est bon, big deal. Étiquette là, c'est ou juste by information, mon cap voyage. Vous avez une famille de 6, nous faisons étiquette pour tourner si ça. Vous avez un barcode, entrée sortie, République dominicaine. Yo mande, y ap modernize bagay, yo kompren nan sistem yo, yo mande, yo son ba ou ka fe online, ou ale ou rempli pou etiket, ok? Etiket pou Republik Dominikèn, ou kapab fel. Se sa. Donk se yon bagay ki e klarifiye pou koze Saint-Domingue ou pa nesesèrman bezon visa, ok? Men gen yon ki la mande pou Kanada, moi, je pense que TPS pour le Canada a besoin de visa. Ok, puisque c'est même permanent résident pour le Canada qu'on va faire une conférence remplie online. Vous comprenez? So, voilà, guys, ça c'est des précisions justement qui m'ont été portées pour vous sur cause travel document. Pas oublier qu'il faut que vous ayez une photo. C'est important, vous ne pouvez pas appeler son papier photo. Parce qu'il y a mis des photos à ce bail-là. Et concernant le dernier bail qui dit, vous parlez de. En fait, nous connaissons été annoncé que vous avez un autre travel document spécifique pour TPS. Qui a mis un 512T. Il a mis le T à devant lui. Maintenant, ça vous comprendre. C'est toujours la même forme. Je vous dis ça. La forme n'a pas changé. C'est toujours la même forme. I wonder. C'est juste si vous voulez différencier travel document TPS à de l'autre. Vous avez plusieurs. Vous comprenez? Ok? Donc, si vous avez un TPS. L'idée de la contrat avec le document qui n'a pas été existe, qui a utilisé pour jusqu'à ce qu'elle expire. Ou capable d'utiliser, il n'y a pas de problème. Sous c'est un type de bénéficiaire qui est appliqué pour nouveau travel document, ou bien on a un nom là, ou on est capable de toujours utiliser la forme I wanted here. Ok? Si vous avez un qui est pending, ou pas de problème. Ou vous n'avez pas de problème l'autre, non? Si vous avez un qui est pending, ou son l'autre qui est là, non? Donc, changement, ce n'est pas un big deal lié. C'est juste que vous voulez faire, et peut-être, non, ou gestion. Vous décidez, et tellement qu'il y a un groupe de monde, bah, TPS a différent, vous décidez de catégoriser pour que leur montrer à Jean 1512, depuis le vous avez dit, à sa sens, 1512 pour TPS. Vous comprenez? Donc, moi, je ne sais pas qu'on l'autre groupe de monde, ou permanent résident, et je pense qu'il faut mettre peut-être sous lit. 512R, on va à quelqu'un, quoi de faire. Bon, vous choisissez faire le TPS, son façon pour capable catégoriser. Ok? Je souhaite que nous comprenions bien toute lumière, ça, que nous fait justement ce causer et travel document. C'était un plaisir, et pas oublier, et toujours, rester connecté avec nous, et payez bouton subscribe, partagez vidéo, nous, justement, pour nous capable faire lumière dans la communauté. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.